Bonjour Nicolas Klein. Bonjour. Je suis très heureux de vous revoir dans notre émission parce que nous allons parler ensemble de l'Espagne, un pays qui m'est très cher. Je vous présente rapidement de nouveau pour nos auditeurs. Nicolas Klein est normalien, agrégé d'espagnol, professeur en classe prépa au lycée Henri Poincaré de Nancy. Mm-hmm. Et il a publié récemment, l'an dernier exactement, Comprendre l'Espagne d'aujourd'hui aux éditions Ellipse. C'est un excellent connaisseur de l'Espagne. Il est notamment consacré à des travaux de traduction d'une très grande importance puisque c'est lui qui a traduit les livres consacrés à l'Andalus par Serafín Fanjul et Rafael Sánchez Saus. Je vous ai invité aujourd'hui Nicolas Klein pour nous éclairer à propos de l'évolution politique récente en Espagne, mm-hmm. et notamment à propos de l'émergence en Espagne d'une force politique, d'un parti, appelons ça comme on veut, qui est présenté généralement comme populiste. Il s'agit donc du parti Vox. Alors, qu'en est-il de ce parti? Quelles sont ses origines? Que peut-on dire de ses leaders et de la place qu'il peut occuper dans le paysage politique espagnol d'aujourd'hui? Après, nous reviendrons un petit peu sur l'histoire des conditions qui ont permis cette émergence. Alors, Vox, c'est un parti qui est relativement récent, qui date, si je ne me trompe pas, de 2013. Un parti qui a été fondé en fait par d'anciens membres du Parti Populaire. Le Parti Populaire, PP, c'est le parti de la droite démocrate chrétienne classique en Espagne, ouais. qui a longtemps dominé en fait tout l'espace de la droite au niveau parlementaire. C'était le parti de Manuel Fraga Iribarne. Tout à au fait, moment oui. de la disparition de général Franco. Alors en fait, oui, il y a eu l'Alliance Populaire d'abord, qui en 89 est devenue Parti Populaire, d'accord. mais disons c'est effectivement le parti qui indirectement a été fondé par Manuel Fraga. Donc effectivement, ce sont d'anciens du Parti Populaire. Je pense par exemple à Alejo Vidal Quadras, qui avait été le président de la Fédération catalane du Parti Populaire, qui avait été débarqué un peu sans ménagement par Aznar à la fin des années 90. Donc d'anciens dirigeants, d'anciens membres ou d'anciens sympathisants du Parti Populaire qui ont été déçus de l'évolution du parti sur la question territoriale. La question de l'indépendantisme catalan notamment, hein, puisqu'en 2013 on était déjà dans cette problématique-là. Également sur la question économique qui reprochait beaucoup au président du gouvernement de l'époque, qui était aussi le président du Parti Populaire, Mariano Rajoy, de ne pas avoir tenu ses promesses en matière économique, au moment où il a pris en charge à partir de la fin de l'année 2011 l'économie espagnole et donc la crise aussi. Et donc en fait ces quelques dirigeants-là sont allés fonder un parti qui d'abord est passé complètement inaperçu. Alors ils avaient un certain nombre d'entrées, on va dire, dans la presse, notamment la presse sur Internet, certaines revues en ligne, certains journaux, mais ça restait très très confidentiel. À toutes les élections où ils ont pu se présenter jusqu'à la fin de l'année 2018, ils ont fait des scores très confidentiels. Et en fait, le parti a commencé véritablement à émerger à la fin de l'année 2018, lors des élections régionales andalouses du 2 décembre 2018. Ils ont fait une campagne qui était très remarquée par les médias. Et les sondages, à la toute fin, leur donnaient au grand maximum un ou deux élus sur les 109 du Parlement régional andalou. Et ils sont quand même arrivés, si ma mémoire ne me fait pas défaut, avec 11 élus. Donc beaucoup plus que ce qu'on leur avait prédit. Et ils ont contribué, pas eux seuls, mais ils ont contribué, à ce que l'Andalousie, qui avait toujours été dirigée par les socialistes depuis le retour à la démocratie en 75 et depuis les premières élections régionales, donc ils ont contribué à ce que l'Andalousie, historiquement socialiste, passe à droite pour la première fois. C'est en fait fin 2018 véritablement qu'ils se sont fait connaître du grand public et qu'ils ont remporté leur premier siège d'importance en Espagne. Et alors, vis-à-vis de l'opinion, et ça va avoir évidemment des conséquences électorales, comment sont-ils perçus à l'époque cette force nouvelle? Quelle est son identité en quelque sorte sur le plan idéologique, programmatique? Alors, l'identité de Vox est une identité à droite très assumée, qui se veut alors à la fois conservatrice sur un certain nombre de sujets, je pense notamment à l'immigration,
Un certain nombre de questions aussi liées au débat sur le féminisme, le débat sur la fameuse notion de genre, etc. Les questions sociétales. Voilà. Et sur le plan territorial, c'est un parti centralisateur qui est très critique vis-à-vis des communautés autonomes, de l'existence même des communautés autonomes aujourd'hui, de la décentralisation à l'espagnol, on pourrait dire. Et sur le plan économique, alors là, c'est peut-être la chose qui est la plus mouvante, on va dire. Sur le plan économique, officiellement et assez ouvertement libéraux. Donc pour moins de dépenses de l'État et moins d'impôts. Alors cette question économique, comme je vous disais, elle est un petit peu mouvante, mais même la question migratoire, parce que selon la région, Vox ne va pas s'adresser aux électeurs tout à fait de la même façon. Même si on prend simplement les élections régionales andalouses de décembre 2018, à l'issue desquelles le parti s'est fait connaître, il y a certaines zones d'Andalousie, je pense notamment au sud-est de l'Andalousie, la province d'Almeria notamment, où effectivement ils ont engrangé les voix sur le rejet de l'immigration. Il faut savoir que c'est une province où il y a effectivement une population immigrée assez importante, employée dans les fameuses serres, les fameuses mers de serres du côté des Lérido, exploité aussi, il faut le dire, de façon assez honteuse. Donc effectivement, Vox, sur ce terrain-là précisément, a beaucoup exploité la thématique de l'immigration. Mais dans d'autres zones d'Andalousie, ça n'est pas forcément la thématique qui a été mise le plus en avant. Et au niveau national espagnol, c'est tout à fait flagrant, c'est-à-dire que dans des zones avec une beaucoup plus faible présence immigrée, par exemple des zones de Castille, beaucoup moins peuplés, souvent plus en retrait aussi. D'autres aspects vont être mis en avant par Vox, par exemple le séparatisme catalan, par exemple le fait que ces régions se sentent un peu délaissées économiquement, qu'elles manquent d'infrastructures, qu'elles manquent de perspectives économiques et sociales. Donc là, ce sont des questions que Vox va beaucoup, sur lesquelles Vox va beaucoup plus mettre l'emphase. Donc, le discours général, c'est celui que je vous ai dit, libéralisme économique, opposition à l'immigration, opposition à un certain nombre d'évolutions sociétales, mais ensuite c'est variable, effectivement, selon les régions. Selon les régions. Ouais. Et alors, il y a une question évidemment qui se pose, étant donné les campagnes qui ont été menées contre Vox, quel est le rapport par rapport au défunt régime franquiste? Parce qu'on présente souvent Vox, dans la presse bien pensante, notamment en France, comme des nostalgiques du franquisme. Qu'en est-il réellement? Puis de manière plus générale, aujourd'hui, quel est l'état d'esprit ou quel est l'état de l'opinion en Espagne vis-à-vis de ce passé qui commence à devenir quand même un petit peu lointain, puisqu'il y aura bientôt un demi-siècle que le caudillo a disparu. Tout à fait. Alors, il y a chez Vox, y compris chez certaines de leurs personnalités un peu plus connues, des nostalgiques du franquisme, ça existe. Je ne pense pas que ça représente l'essentiel, on va dire, du bureau directeur de Vox, du bureau national. De même qu'il y a très probablement un certain nombre d'électeurs espagnols qui vont vers Vox sur des questions liées au franquisme, mais ils sont très minoritaires. Sinon, on ne pourrait pas expliquer comment, tout à coup, une partie substantielle de l'opinion espagnole serait devenue franquiste alors qu'elle ne l'était pas avant. Évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui vont dire qu'elle l'était avant, mais qu'elle le cachait ou qu'elle n'avait pas trouvé son expression. Mais le vrai succès de Vox ne repose pas spécifiquement sur le franquisme. Quelle est la considération de Vox sur le passé? Ils estiment, mais ça c'est quelque chose qu'on trouve dans toute la droite espagnole, ils estiment que le passé étant passé, on ne va pas revenir dessus. Ils se sont opposés notamment à l'exhumation de Franco, du Valle de los Caídos, nord-ouest de Madrid. C'était à la fin de l'année 2019, le 24 octobre 2019, si je ne me trompe pas. Ils s'y sont opposés, mais comme une bonne partie de la droite. Ils estiment qu'en fait, voilà, le passé est passé et qu'on n'a pas à revenir fouiller, ouvrir des fosses communes ou lancer des recherches politiques véritablement. Ils estiment que ça doit être laissé aux historiens, en fait. Donc évidemment, en cela, ils s'opposent complètement à la gauche et au centre qui, en Espagne, étaient favorables, par exemple, à l'exhumation de Franco et sont favorables au déplacement d'autres cercueils, par exemple, d'anciens responsables franquistes. Je pense à Queipo de Llano, je pense à Sanjurjo, à des gens comme ça, qui, par exemple, Queipo de Llano est à la Macarena à Séville, Sanjurjo doit être à la cathédrale de Pamplune, je crois. Oui.
Et qu'en est-il des restes de José Antonio qui se trouve, Primo de Rivera, qui se trouve au Valle de los Caídos? Alors, pour le moment, ils y restent parce que la décision qui a été prise par le gouvernement Sanchez, qui était en place depuis 2018, c'était de faire exhumer Franco et de l'inhumer à nouveau dans un cimetière civil qui est celui de Mingo Rubio El Pardo, parce qu'il n'était pas mort durant le conflit. Et toutes les personnes, en fait, décédées durant le conflit peuvent rester inhumées dans le Valle de los Caídos. J'ai bien dit peuvent, c'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'à terme, il y aura probablement une volonté d'exhumer aussi un certain nombre d'ossements de républicains enterrés sur place. Je crois qu'il y a à peu près 40 000 combattants, me semble-t-il, des deux camps qui sont inhumés sur place, mais il faudrait revérifier le chiffre précis. Donc tous ces combattants-là, y compris Primo de Rivera, qui est mort durant la guerre civile, qui est mort le 20 novembre 1936, ils restent pour le moment. Oui, puis en plus, il faut quand même rappeler que José Antonio Primo de Rivera, il a été arrêté avant le début de la guerre civile. Tout à fait. Qu'il a été l'objet d'une parodie de procès à l'automne de 1936 pour être exécuté à Alicante. À Alicante, tout à fait. Il est devenu ensuite la figure héroïque et martyr. Voilà, de façon un peu paradoxale, puisque ses relations avec Franco n'étaient pas excellentes. Mais, ça paraîtrait quand même assez énorme que l'on envisage d'exhumer sa dépouille. Ça va dépendre de ce qui sera décidé ensuite par le gouvernement actuel ou ses successeurs, ça on verra bien. Mais est-ce que vous avez dit les centristes étaient pour l'exhumation de Franco? Alors ça correspond à quoi ces centristes? Eh bien au Parti Citoyen, Ciudadanos. Ciudadanos, d'accord. Voilà, donc ils sont sur le déclin aujourd'hui, mais qui ont représenté une force politique non négligeable sur les dernières années, et qui eux, effectivement, ont soutenu les socialistes et Podemos sur cette question-là. Alors quel est l'état de l'opinion espagnole sur ces questions mémorielles? Alors d'abord, celle concernant la guerre civile. Alors, il y a une division, grosso modo, pour le simplifier beaucoup en deux. Il y a un certain nombre de secteurs d'opinion qui estiment qu'effectivement, il est temps de passer à la vitesse supérieure en matière de mémoire historique, donc notamment en ouvrant beaucoup plus de fosses communes pour identifier les cadavres non identifiés, les ossements de personnes non identifiées, en exhumant un certain nombre de personnalités qui ont encore leur sépulture dans des monuments historiques ou des lieux publics. Comme Queipo de Llano, que vous évoquiez tout à l'heure. Entre autres. Il reste un certain nombre de rues, maintenant c'est minoritaire, mais il reste un certain nombre de rues, d'avenues, de voies, en hommage à des personnalités ou des événements de la guerre civile du point de vue nationaliste, du point de vue franquiste. Il y a d'autres questions parfois plus ponctuelles mais brûlantes, comme le monument à la fameuse division bleue, Division Azul, au cimetière de l'Almudena à Madrid, qui est effectivement un monument relativement important et dont un certain nombre voudraient qu'il soit interdit à tout hommage. Il faut rappeler que cette division bleue, c'est celle de volontaires qui est allée combattre en Russie de 41 à 43. Tout à fait, oui. Voilà. Donc il y a un certain nombre de points comme ça. Et de l'autre côté, il y a des secteurs de la société qui sont nécessairement être franquistes, puisque la moitié de l'Espagne n'est pas franquiste, il ne faut pas se mentir. Il y a toute une partie importante de la société espagnole qui estime que ça n'est pas du tout une priorité, qu'il vaut mieux laisser le passé reposer en paix et le laisser au débat d'historiens, et qui ne veut pas de toutes ces actions-là, en fait. Qui ne veut pas d'exhumation, qui ne veut pas de recherche de fosses communes. L'un des gros soucis, c'est qu'en fait, cette bataille, cette querelle-là, cette querelle politique est surtout un instrument devant servir des fins purement électoralistes, que ce soit d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Et d'un côté ou de l'autre, on profère des erreurs ou des mensonges. Un des mensonges les plus célèbres, mais qui est très souvent réutilisé et qui a été démonté par des gens dont on ne peut pas du tout soupçonner qu'ils soient des nostalgiques du franquisme, c'est l'idée selon laquelle il y aurait en Espagne quasiment autant de fosses communes qu'au Cambodge, et que l'Espagne serait le deuxième pays au monde pour les fosses communes. Ce qui a été démonté historiquement plus d'une fois, mais c'est un mensonge qui est perpétué, effectivement, alors que je pense que l'opinion qui consiste à dire qu'il faudrait ouvrir les fosses communes n'a pas nécessairement besoin de ça pour se défendre.
Oui, ces enjeux mémoriels, ils ont pris une place très importante, évidemment, dans l'Espagne d'aujourd'hui, mais cela dépasse la question de la guerre civile. Et là, on peut retrouver également Vox sur ces questions, parce que c'est toute une relecture de l'histoire espagnole qui est en cours actuellement du fait de certains, afin d'instaurer une repentance, afin d'instaurer une remise en cause des choses les plus admises jusque-là. Je pense notamment à l'histoire de la Reconquista, à l'histoire de l'Espagne musulmane, présentée comme victime d'une invasion chrétienne. Alors, sur ces terrains-là, on a évoqué tout à l'heure les travaux de Rafael Sanchez Saúz ou de Séraphine Van Roel, qui sont tout à fait remarquables et que je conseille vivement à nos auditeurs. Mais il y a un vrai débat en Espagne qui s'est illustré également à travers la polémique relative à la mosquée de Cordoue, pour savoir s'il convenait éventuellement de la rendre au culte musulman. Il y a une vraie division des esprits sur ce terrain-là. Comment tout cela est-il perçu par l'opinion et dans quelle mesure Vox et son discours viennent-ils s'insérer dans ce débat-là ? Alors, à l'heure actuelle, vraiment, si on parle d'aujourd'hui, je pense que ces questions-là sont beaucoup moins prioritaires pour tout un ensemble d'Espagnols, puisqu'on a la pandémie de coronavirus et la crise économique et sociale liée au confinement de l'année dernière. Donc, ce sont des questions sans doute moins prioritaires pour un certain nombre de personnes. Mais il est vrai que, et là je vais aller un peu plus loin que vous encore, la relecture de toute l'histoire espagnole est relativement ancienne. Elle a débuté fin 19e, début 20e. Elle s'est accélérée ensuite. Quand un politicien libéral appelait à verrouiller à double tour le tombeau du Cid. Voilà, c'est ça, Joaquín Costa, tout à fait. En fait, l'idée, ce serait que l'Espagne se serait toujours trompée de camp dans son histoire, qu'elle aurait été contre les musulmans qui étaient les porteurs de la civilisation, du progrès et de la tolérance, qu'elle aurait été le bras armé de l'Église par le biais de l'Inquisition et qu'elle aurait fait des milliers, voire des dizaines, des centaines de milliers de morts exécutés par l'Inquisition. La question aussi de la colonisation du continent américain et du génocide ou pas génocide des indigènes. La question de, plus globalement de la liberté d'expression et de pensée. La question de la violence de la société, la question des valeurs chrétiennes qui ont été portées à un moment par les autorités espagnoles. Toutes ces questions-là, en fait, ont commencé à être mises en cause à la fin du 19e siècle et l'ont été de façon progressive tout au long du 20e et de ce début de 21e siècle. Alors, Vox, évidemment, se place en porte-à-faux par rapport à cette réinterprétation. Au contraire, c'est un défenseur de l'histoire médiévale et moderne espagnole. Et quand je dis médiévale espagnole, chrétienne, faut le comprendre comme ça, de la Reconquista, de l'Espagne impériale, de la colonisation de l'Amérique. Donc effectivement, Vox se place en opposition à cette relecture. Il faut être honnête, ce ne sont pas les seuls. Et il n'y a pas non plus que cette frange de la droite radicale ou de l'extrême droite à s'y opposer. Mais évidemment, ils ont une tribune politique maintenant. Ils ont quand même plus de 50, je crois, 54 députés au niveau national sur 350. C'est quand même la troisième force politique au niveau national. Donc ils ont évidemment une tribune politique qui leur confère en partie ce rôle de combattant hostile à cette relecture de l'histoire espagnole. Et ils ont des députés européens aussi. Tout à fait, oui. Alors, je crois que c'est 3 ou 4, me semble-t-il, ce sera vérifié, parce que l'Espagne doit en avoir 24 ou 25, quelque chose comme ça. Ils ont des députés européens, des députés nationaux, plus de 50, donc j'ai des troisième force politique. Ils sont présents dans la quasi-totalité des parlements régionaux, exception faite, je crois, de la Galice et peut-être les Asturies et la Cantabrie, mais là, ce sera à vérifier. Dans la quasi-totalité, on va dire, dans 12 ou 13 des communautés autonomes. C'est surprenant pour ce qui concerne Galice, Asturie, Cantabrie, car ce sont des régions plutôt traditionnellement à droite. Alors, la Galice, oui, mais... C'était le pays de Fraga Iribarne. Tout à fait, dont il a été le président durant 4 mandats. L'actuel président régional galicien, qui en est aussi à son 4e mandat, est également du Parti Populaire, de droite, 4e majorité absolue de suite. Mais justement, il a pris tout l'espace de la droite, là, pour le coup, ce qui fait que ça ne laisse pas de, ça ne laisse de place ni aux centristes, ni à la droite radicale ou à l'extrême droite.
Par contre, les Asturies, c'est plutôt une terre de gauche. Traditionnellement en Espagne, et même au niveau des autorités, c'est une région qui a été plutôt dirigée à gauche depuis les années 80. Oui, c'est-à-dire que les Asturies ont été à l'origine de la reconquête, mais ensuite le temps a passé, évidemment. Tout à fait, et puis les Asturies, c'est une ancienne région minière, donc avec une tradition ouvrière, syndicaliste également. Bah, on l'a vu en 1934 tout avec la tentative de révolution. Oui, en octobre 34, tout à fait. La commune des Asturies. Alors, j'ai vu que récemment, Vox avait remporté un succès électoral en Catalogne. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est le résultat d'une position en pointe contre l'indépendantisme catalan? Alors, c'était les élections effectivement régionales anticipées en Catalogne du 14 février dernier. Voilà. Effectivement, Vox est devenue la quatrième force politique régionale en Catalogne, avec 11 députés et 7% des voix, je crois. En fait, Vox, à soi seul, a plus de députés que Citoyens, les centristes et le Parti populaire en cumulé. En fait, il représente la principale force de droite nationale, nationale. Au Parlement catalan aujourd'hui. Alors, une des raisons de leur succès, et sans doute la principale en Catalogne, c'est effectivement leur opposition frontale au séparatisme catalan. En décembre 2017, il y avait eu des élections régionales en Catalogne, et c'était le parti centriste Citoyen qui, à ce moment-là, était identifié par les électeurs anti-indépendantistes comme le plus en pointe, qui était arrivé en premier, qui avait remporté, je crois, 36 ou 37 sièges sur les 135. Et là, effectivement, Citoyen s'est effondré, ils ont perdu 85% de leurs électeurs, et une partie de ces électeurs, pas tous évidemment, mais une partie s'est déportée. Se sont reportés sur Vox, parce que Vox a été identifié comme la force la mieux à même de lutter contre l'indépendantisme catalan, un peu dans une forme de vote utile. Je pense que c'est vraiment le principal argument de campagne de Vox, ça a été ça. Et l'idée qu'en fait, il fallait faire respecter la loi et l'ordre de façon plus globale en Catalogne. Donc, je pense que c'est vraiment là-dessus que l'écrasante majorité des électeurs de Vox en Catalogne se sont fixés. Et quelle est la situation, justement, aujourd'hui, en Catalogne, confrontée avec ce défi indépendantiste? Alors, le résultat des élections régionales du 14 février n'est pas extrêmement surprenant. La plupart des sondages l'avaient vu venir. On a vu les socialistes arriver en tête, avec 33 sièges. Juste derrière eux, en voix, mais à égalité en sièges, la gauche indépendantiste, gauche entre guillemets, de l'ERC, gauche républicaine de Catalogne. À 32 sièges, la droite indépendantiste classique, d'Ensemble pour la Catalogne, qui est le parti notamment de Carles Puigdemont, l'ancien président régional qui aujourd'hui est en fuite en Belgique, et donc Vox ensuite. Juste derrière Vox, il y a également un troisième parti indépendantiste catalan qui s'est renforcé, qui est passé de 4 à 9 sièges, si je ne me trompe pas, qui est la candidature d'unité populaire, qui est considérée comme un parti de gauche radicale. Là, ça mériterait aussi qu'on s'y arrête, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit généralement de lui. Alors, ERC, Ensemble pour la Catalogne et candidature d'unité populaire, eux trois ont la majorité absolue, ce qui était prévu. Ils se sont même un peu renforcés en sièges, ils sont passés de 70 à 74 sièges. La majorité absolue, je crois que c'est 68 sièges si je ne me trompe pas. Mais à la faveur d'une forte abstention, il y a eu, je crois, 52 ou 53% de participation, ce qui est faible pour la Catalogne en particulier et pour l'Espagne en général. Rapporté à l'électorat, l'indépendantisme catalan sur les dernières élections pèse 25 à 26%. Par rapport au nombre général d'électeurs potentiels. Tout à fait. Sur le corps électoral général, c'est 25 à 26%. Et aujourd'hui, sur les bulletins indépendantistes du 14 février dernier, on est à 51%. Évidemment, ils se sont fait fort de dire qu'ils étaient majoritaires en voix, ce qu'ils n'avaient jamais été, mais sur une abstention très forte. Une abstention très forte. Quand, quand l'abstention est plus faible, quand on arrive à 65 ou 70%, voire plus de participation, ils sont toujours en dessous des 50% de bulletins exprimés en leur faveur. Et donc, les perspectives indépendantistes, pour le moment, ne sont pas positives. À court terme, il paraît douteux que les indépendantistes puissent obtenir ce qu'ils désirent. À moyen et long terme, on ne peut pas dire, on ne sait pas, mais à court terme, ça paraît compliqué. Ça paraît très compliqué pour eux, Et le reste de l'opinion espagnole vis-à-vis de ce défi que représente l'indépendantisme catalan, quelle est son évolution? Alors, il y a là aussi, on va dire, pour schématiser, deux secteurs.
un qui est minoritaire, qui se trouve à gauche, qui consiste à dire que, sans défendre l'indépendance de la Catalogne, il faudrait autoriser au niveau régional un référendum sur la question, référendum contraignant. Qui est donc la position d'une bonne partie des électeurs de Podemos et d'une partie seulement, reste à estimer quelle est son ampleur, mais d'une partie seulement de l'électorat socialiste. Et pour tout le reste, il y a une opposition assez franche à la question de l'indépendantisme. Opposition qui s'est renforcée à la fin de l'année 2017 avec le référendum illégal du 1er octobre, avec la déclaration d'indépendance du 27 octobre, la suspension de l'autonomie catalane du 27 octobre à début 27 octobre 2017 à début juin 2018. Tout ça a solidifié, a consolidé une opposition assez nette à l'indépendantisme. Mais évidemment, les électeurs en ensemble de l'Espagne votent sur différents critères et celui-là n'est pas le seul qui les intéresse. Sûr, Et quelle différence entre la situation catalane et l'évolution du Pays basque ? Qui était également un foyer de contestation autonomiste, évidemment très, très virulent. Alors, il y avait dans les années 80 et même 90 un bon mot qui consistait à dire que les Basques venaient de Mars et les Catalans de Vénus, puisqu'effectivement, on avait l'agitation terroriste au Pays Basque, de l'ETA. Et puis, on avait aussi ce qu'on appelle la kale borroka, ce qui veut dire en basque la violence de rue, c'est-à-dire de sympathisants, de partisans, voire de membres de l'ETA, qui seraient répandaient en manifestations plus ou moins violentes, en dégradation de commerces, d'édifices, qui pratiquaient aussi l'impôt révolutionnaire. Le racket, voilà. L'ETA a beaucoup décliné, puis s'est dissoute début mai 2018, et le Pays Basque a évolué vers une forme de négociation politique, évidemment visant à avoir plus d'autonomie, mais une négociation politique plus apaisée avec le pouvoir central, alors qu'on a vu comment... Au contraire, la contestation et l'agitation gagnaient la Catalogne. Se sont développés en Catalogne. Voilà, on a eu une forme de d'évolution un peu inversée. D'inversion des rôles, Merci infiniment, Nicolas Klein, pour tous ces éclaircissements. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Comprendre l'Espagne d'aujourd'hui » aux éditions Ellipse.